Nous sommes en train d'analyser certaines clés qui puissent nous donner accès à la bénédiction. Parce que l'année que nous sommes en train de parcourir, Dieu nous a dit, c'est une année où nous allons récolter. Et c'est notre année où nous devons jouir la faveur divine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Amen. Hier, il y a quelqu'un avec qui je posais au téléphone. Le président Moutoumou, qu'on a dit que la soleil n'est pas de la singa. Qui me dira non, papa, son soloni, dans mon nom, mon église, à l'objet, papa, la vie soit église, qui sont moula, oyo, tout ça la tête. À l'objet, tout le monde, ton caca, ok, par la moukou, ton lié. Alléluia. J'ai dit, tout le monde, yo, comme yo, qui m'a la montée. Ce que moi j'ai dit par la grâce du Seigneur, c'est que toutes les années passées, ce qui m'a voulu venir sur l'église, débattait beaucoup. On a dit qu'on est tout mis à peine deux années pour d'abord d'amener. On n'a rien trouvé. Pour oser le côté là. Cette fois-ci, malaoyo, avec les mêmes efforts qu'autrefois. Quand on a ma cache au lieu celle là qui me collait l'équipe, Dieu interviendra à ta faveur. Là par contre, après on a tiré là yo, Dieu fera quelque chose. Là par contre, ça les tambours encore. Pour que yo ça la musa la abunda les sous-soupers. Amen. Est-ce que nous trouvons quoi ce yoka là? Amen. Parce que la Bible dit avec Dieu, il vient lever le monde en Zambie. Nous faisons des espoirs. Nous sommes à ma campagne. Si autrefois, ce qui est malheur est l'été, tu cherchais celle, tu vas dans le caillou moko, tu travaillais celle, tu vas dans le caillou moko, cette fois-ci, Baloyo, Dieu est ton associé. Dans le cas où on n'y va dans la mosquée, il ne travaillera jamais en vain. Pour que ça, la sous n'a pas embatté. Il ne cherchera jamais en vain. Pour le cas où n'a pas embatté. Parce que c'est lui qui t'a donné la promesse. Est vivant. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur le combat de la destinée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes dit que nous allons jouir la faveur divine. Nous nous sommes dit que le combat est utile pour tout enfant de Dieu. Parce que le combat n'a pas commencé avec toi. Le combat a commencé avec notre Dieu. Pourquoi? C'était le combat de positionnement. Pendant que le diable a envié le trône de Dieu, Dieu ne lui a pas laissé ravir son trône. Dieu n'a pas croisé les bras. La Bible me dit, ceux qui étaient du côté de Dieu, ils ont combattu contre Satan. Et dans ce combat-là, l'armée de l'Éternel, tu trouvais vaincu. Bazalaki balongi. Tu trouvais vainqueur. Bazalaki balongi. Et l'armée du diable était vaincue. Satan et diable étaient précipités sur la terre. Pourquoi est-il précipité sur la terre? C'était pour que
le ciel soit calme. Et que le règne de Dieu puisse régner. Pendant que le diable était au ciel, parce qu'il nous voulait au trône de Dieu, Dieu ne l'a pas laissé faire. Dieu s'est levé avec ses anges. Ils ont combattu contre le diable. C'était pour que Dieu puisse régner en maître absolu et nous puisse jouir de ce qui est à lui. Et ma Bible me dit: malheur aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous. Et il met une grande colère. Le diable est descendu vers nous. Il est descendu dans nos familles. Il est descendu dans nos quartiers. Il est descendu dans nos maisons. Il met une grande colère. Alors sa colère se détermine quand on est hôtel, lorsque nous lisons Jean 10, verset 10. Nous sommes debout, nous lisons. On le lit rapidement. Ce que Dieu nous a donné. Mais notre Seigneur Jésus dit: malgré que votre opposant a l'ambition de voler, ce qui est à vous, vos promesses, vos bénédictions, vos promesses, tout ce qui a de bien entre vos mains, il vient que pour les égorger. Je suis venu pour vous donner la vie. Je suis venu vous donner la santé. Je suis venu vous donner la bénédiction. Et pour que vous soyez en abondance. Vous allez en abondance. Vous aussi vous compreniez que nous appartient pas de croiser les bras si nous voulons que notre avenir puisse réussir. Parce que nous avons notre ennemi qui veut détruire ce que Dieu nous a donné de meilleur. Qui veut tuer ce que Dieu nous a donné de meilleur. Qui ne veut pas nous voir être heureux. Qui ne veut pas nous voir dans la joie. Satan veut te voir triste tous les jours. Satan veut te voir être malade tous les jours. Satan veut te voir être pauvre tous les jours. Mais celui qui t'a créé, il est venu pour te donner l'abondance. Sois santé et béni dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes debout. Nous allons à côté de Marc, chapitre 1. On va aller à Boubini. Exode chapitre 1, le verset 15 à 16.
Vous sautez, vous lisez 22. Exode, chapitre 1, les versets 15 à 16. Vous sautez, vous lisez 29. Le Bazar de Mengala, comment mon conjoint est à Égypte, avec ici Bassi ou le Bazaraki, comme dit sa maman est hébreu. Mon cocombo n'a un chiffre, appelé mon souci, comme on a eu pour Alobina Bango. Tant que vous avez un peu de sabbat, il y a un hébreu, vous avez un malam. Ce qui moi, Azali Mobali, Bobo Maye, ce qui Azali, moi, si, Bouti Kaye. 22 le Bazar de l'Obi. Na vendele lo banzambe lobi Nzambe atalaki malamu atalaki bango malamu apesaki bango bana mingi bango ba Israeli bakomaki lisutu ebele pe makasi penza vende kati moko jimonene ya Egypte apesaki mitindo na bato na ye nyonso te mwana mobali nyonso oyo basi ya ba Hebreu bakobota Bapwa kayena ebalenil, kasibati kamana ya basi. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui m'attend. Dans mon tojo au kambay. Tatananga. Naye e pa na yo. Pona tika la rabite. Naye pona fuluka. Naye pona pambolama. Naye po balimite na nga ekweya. Naye pona tatola. Asimoto nyoso. Mission. Et c'est aux Aliawa. Amen. Il y a des salaires à côté les mains. Église joyeuse, c'est église habituelle. Alléluia. Vous allez à côté les mains. Na bota. Na bota. Na bota. Les travailleurs d'Abimelech, ils le font encore. Bah, il est juste. Plus ils citaient des combats. Ben, vous vous disiez. Les boulots. Je dis.
tu es sika. Alors vous comprenez que place bana na satana bazali caractérise koina. Libula Misa Tulubanza Belobi Genèse 26 verset 16.